Salut tout le monde, c'est X-Roger, on se retrouve pour l'épisode 2 de Versus. Je suis en compagnie de quelqu'un que l'on ne nomme plus pour les FIFA. Il est beau, il est puissant, il bat tout le monde, il est connu dans le sud de la France pour tous ses matchs, toutes ses grandes victoires. J'ai bien sûr l'honneur de vous présenter X-Rouge et je suis avec Florentine. Coucou, c'est moi. Non, je déconne. Bon, voilà, je rappelle le principe du Versus. Tu décides du coup de me défier sur FIFA, FIFA 14. C'est le seul jeu où je peux te battre, donc vas-y. Très bien, donc qu'as-tu à me proposer? On va faire un simple match, la première victoire définit le vainqueur. Allez, faisons comme ça. Alors, pour qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait de la sélection Ouais, juste avant la Coupe du Monde. On fête la Coupe du Monde, alors vas-y pour la nation. Donc je tiens à rappeler que voilà, c'est la première fois qu'on s'affronte dans une vidéo Florentine et moi, et je vais quand même vous avouer quelque chose. J'ai toujours fait en sorte que Florentine, elle se batte pas contre moi parce que généralement, sur 10 matchs, il me bat 9 fois et moi une, si c'est pour dire 0,5 même. Ça, les vidéos que j'ai fait, c'était contre... Contre Lulu, t'as joué contre Thibaut aussi. Il n'y a pas eu vraiment d'adversaire avant. Voilà, oui, mais je ne suis pas un adversaire non plus, quoi, on va dire. Donc, bon, tu te mets comment? Allez, en blanc, à l'extérieur, on joue au Brésil. En white soir, c'est la Coupe du Monde. D'accord, ben moi aussi alors. Non. Non. Non, ta gueule. Je te laisse faire les paramètres. Bon, bref. Petite équipe bien sympathique. On voit déjà qu'en plus, même FIFA, ils ont mis les compos exprès pour... Genre, ils ont pris les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde. Magnifique. C'est trop cool. Le COS fait jouer la jeunesse, Lucas Digne. Désolé, Patrice. Donc apparemment, toi, tu crois en cette équipe de France pour cette année, apparemment. Bien sûr. Oui. Il faut. Ouais. On verra bien, de toute façon. Bien sûr qu'on va aller loin. À ce point? Mais oui, j'ai minimum les quarts. Oh! Les quarts de finale sont annoncés, attention, prenez, faites les paris. Bon, on va laisser à peu près comme ça. Hein. Oui, bon, moi je vais pas bouger plus, j'ai pas trop l'habitude de prendre les sélections nationales. Mais bon. Ça a même peut-être bien parti. Oui, alors, bien sûr, l'E3, le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles vient de se terminer et on a vu, enfin tu as pu voir la vidéo de FIFA 15, tu l'attends un petit peu ce jeu aussi. Une petite pépite, je suis impatient. Donc voilà, petite nouveauté, je te l'avais envoyé d'ailleurs par message. Voilà, une des nouveautés qu'on a dans ce jeu, c'est que, imaginons que le mec il fasse un tacle assez prononcé, par exemple, si l'herbe se... Ok, le gros fail, magnifique, on va directement enchaîner, on va oublier l'horreur. Mais voilà, si tu fais un tacle assez prononcé, la marque dans l'herbe va rester. Ouais, vraiment, sur les crampons, le maillot, la terre reste. Exactement, donc là c'est vraiment porté sur... Grosse nouveauté graphique, on l'a connu entre le bronze et pour René. Et amélioration technique. Allez, faut bon voilà, on aura fini de présenter ce jeu, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah bon, voilà, je suis vraiment dégoûté qu'il termine, qu'il prenne sa retraite. C'est un de mes joueurs préférés. Il finit sa retraite là, c'est un peu terminé, oui. Tu sais, quand tu pars à l'étranger, on va pas t'en parler de toi. Ah non, aux États-Unis c'est retourné les grands joueurs, il a du temps pour centrer. Il centre, pas une renée, il regarde Beckham, il est revenu lui. Et il est revenu dans le meilleur club du monde. Ouais, voilà, c'est vrai. A savoir que Florentine est fan incontesté du PSG. Et oui, Antoine Griezmann. C'est ça, c'est bien connu dans le foot, il faut de l'argent pour réussir. Il a tué son défenseur. C'est ce qu'on dit quand on est fan de Manchester. Il faut pas gâcher ce ballon. Allez, va dire ça à Paul. Moi je dis qu'il faut miser sur la jeunesse. Moi je dis qu'il faut miser sur la jeunesse, regarde-le. Pas très bien fait, Paul. On voit bien le tavien qui est donné sur ce but. Petit passe de l'extérieur du pied de, encore une fois. Dans des conditions, mais il me semble que c'est un peu. A savoir que Pogba, on le reconnaît même de loin. Ce n'était pas à dire. On va continuer. Passons. L'occasion. Non, personnellement, à part Griezmann qui est tout nouveau, qui vient de s'implanter, voilà, niveau visage, quand même, tous ils sont quand même bien faits. Ouais, ils ont fait cette menace au-dessus de la tête. Pour lui, quand même, je le reconnais un peu, je reconnais la gueule. Ça, la coiffure, il a toujours du blond. C'est Balotelli. Balotelli, il n'y a pas de cette
Tu ne l'aimes pas? Oh, il est contre. Moi non plus. De toute façon, il a fait partie de City, donc je ne l'aime pas. Malheureusement, ils n'ont pas Arsenal. Mais... ça, je trouve ça. Il va arriver à Arsenal? Bon, petit digne. Il y a vraiment, il le veut. Là. Parce qu'il s'en manque d'un grand. Oh, il n'a rien lâché là, sur cette interception. Ouais. Bien joué. T'as des pronostics un petit peu sur ballon, mais ça joue. Va se passer, Mercato, ouais, ça. Passe, ok, c'est bien. Déjà, David Luiz au PSG. Hazard apparemment ne viendra pas. Moi j'aimerais bien un petit Griezmann au Paris Saint-Germain qui cherche un joueur offensif. Il joue à la Real, ça, à Sociedad. Là on parle de quand déjà. Interception, c'est impeccable. Moi, j'ai, mais c'est compliqué. Rafael Varane. Puis bon, on verra bien, attention, on parle de beaucoup de choses, mais finalement il n'y a pas de facile à ça. Moi il me tarde de voir le nouveau effectif de United. Comme tu le dis, je suis fan, et là il y a pas mal qui se sont barrés quoi. Ah non, ça ne donnera rien. Le Barça aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer là avec ce coup? Il y a un nouvel entraîneur, et apparemment il va dégager plein de. Il essaye de ramener le ballon à Benzema. Asselay, Iniesta, apparemment. Justement, il a dégagé 4 joueurs. Épaule contre épaule, assez appuyé. Et justement, Iniesta, Messi, Neymar. Attention, ne pas trop lui laisser l'espace parce qu'il adore ça. Ce joueur qui se fait prendre sur l'aile. Jordi Alba. Attention, il a retombé. C'est le défenseur qui est sur ce centre. Bon, mais après, il y en a certains, ouais, ils sont complètement à vie. C'est limite ça. C'est des gens qui sont sur l'aile. Le type, il signe à vie, c'est ça. Mathieu Valbuena. Je vois, je vois. Mathieu Debuchy. Et de soutien. Personnellement, pour l'instant, il y a 1-0 à la 20e minute. Pour moi, c'est un exploit face à toi. Ça, tout à l'heure, c'est toi qui as marqué en premier. Ne sois pas moi, ne sois pas James Milner. Oui, mais ça, nous n'avons pas de preuves. Personne ne l'a vu, on ne l'a pas enregistré. Digne. Antoine Griezmann. Enfin bref, bon, arrête de me balader. De toute façon, Griezmann, ça y est, là, c'est bon. Joue un petit peu. Oh, la motive. Oui, quel arrêt sur ce missile. Je croyais que c'était Zlatan. Ah, c'est pas le corner pour la France. Tu mets Griezmann à droite. T'imagines Zlatan Griezmann en duo? Tu mets Zlatan devant, Griezmann à droite et le petit Lucas à gauche. On a tiré ce corner. Allez, on vous vend Cavani. Ah, voilà. Alors pour Oney. C'était en plus sympa. Mais si vous voyez que Cavani... Hop, oh, ah, là même blessé Varane, défenseur central, on dirait que j'en avais besoin. Soit voir, c'est que l'épaule, il n'en a pas besoin. Bon, heureusement qu'on Luxation. On a Mamad, Mamadou. Allez Mamad, arrive. Ça c'est un de mes joueurs préférés aussi. Sako il se fait entendre. Il s'est tenu de sa place, ouais, elle est au sélectionneur de l'équipe de France. Il va faire logiquement un attention. Remplaçant. Surtout pour ce gars, j'en ai. Et là, regarde, il a fini, il a joué. Depuis qu'il est capitaine, c'est bon. Excellente interception, bien joué. Il n'y avait plus l'arbitre. Mais tu dis. Ah, au dernier match, on ne l'a jamais vu, je sais pas. Ah, l'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Oh. Allez, allez, il y a eu une faute. Salut, je suis René, passe-moi là-bas. Paul Pogba. L'Albena. Et je voulais dire la fluidité. Dans le jeu de passe, il y a toujours une solution. C'est un peu la solution FIFA Street là. Là, tu dis. Oh, il a du soutien. C'est vrai qu'en plus, elle est assez véridique, quoi, la pub. C'est vrai que Neymar aurait pu finir. Oh, c'est parti. Oh, qu'il allait vite, ce ballon. C'était, c'était. Gardien. S'il était pas footballeur, là. Il aurait fini. Oh, allez, donc, Cristiano, dans une vitrine. Ouais, il est... Ah, dis bonjour à Antoine. Il en parle un bout. Voilà, il se fait claquer violemment par Matuidi. Il adore ça. Il aime ça. On va dire un petit but de merde. Parce qu'on voit ça pour l'instant. Ouais. Allez. Si on fait rien dans les douches de la France, ça va bien. Oh. C'est tout ça, je vois. Oh. 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 Tu, vois, tu dis des horreurs, ça me perturbe, mais je prends des buts. Ouais. Attendez, le match n'est pas terminé. Allez, il se cache, ouais. Il se calme. Moi, franchement, je pense juste à l'autre mal que la flic. Il y a au moins une ex-écho dans le versus que je te batte. Mais là, c'est là. Ah, je vous rappelle, non, mais c'est vraiment sur 10 matchs, j'ai gagné 0,4. Ça devient difficile pour l'adversaire qui est complètement sur le ballon. Je t'ai dit avant d'enregistrer la vidéo, la dernière fois que je t'ai battu, c'était il y a un mois. Et la dernière victoire après que j'ai pu avoir face à toi, il faut remonter à 2013. Milner. En fait, tu vas me faire rougir. Ah ouais. Je vais appeler Victor, tu vas faire un match contre lui. Et cette attaque n'ira pas plus loin. C'est même pour lui. Ce sera plus compétitif. Antoine Griezmann. C'est pas trop un match, là, qui m'a l'air un petit peu. Digne. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. C'est ta physionomie. Antoine Griezmann qui fait l'appel. C'est compliqué. Ouais. C'est la physionomie du match, hein, c'est comme ma philosophie de jeu, voilà, je voulais dire. C'est la physionomie. J'ai hésité entre les deux, mais c'est ma frère chinois. Gain Johnson. C'est ça. Center.
La balle pour Wayne Rooney. Allez, le petit lâché là sur cette allez, interception. Bien joué. Et alors allez, pour relancer son équipe blanc. Maintenant. Ah. Je préfère un tennis. Allez, Yohan. Oh non, pour Karim. Allez, Karim Benzema. Gayle Johnson. Non, Karim là, il est aussi là. Et maintenant, Valbuena. Il est bon qu'on ait un jaillissement du défenseur sur cette interception. Il est encore marqué là. Je dis ça parce qu'il joue dans l'équipe de France. Les 30 derniers mois. Je tiens à préciser. Je tiens à préciser quelque chose, voilà, maintenant que tu le dis. Est un traître. Yohan Cabaye. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. De toute façon, je masque à chaque fois qu'on dit mon vrai prénom. Gayle Johnson. Non, ce n'est pas un bug de vidéo. Je mets d'accord. Sur cette interception. Si on dit mon vrai prénom, je masque. Il vient de subtiliser le ballon. Je peux le redire plein de fois, alors. Non, t'amuses pas. J'ai pas envie de me faire chier pendant le montage de la vidéo. Ce sera le mon futur moi t'en voudrais. Allez, c'est bien ou quoi? Je soutiendrai premièrement l'Angleterre et s'il n'y a pas hyper, bien sûr, la France bien. Je tiens à rappeler tout de même qu'il est français. Non, je ne suis pas français, moi. Je suis tchécoslovaque, planète Mars. Bonne lecture du jeu là sur cette interception. Stagine, j'en étais sûr. C'est ça. Allez, Mathieu! Allez, Mathieu! Allez, là, hein! Tire! Je vais appeler. Tire! Ouais, elle est bien partie cette frappe! J'ai failli me le mettre là. Ça aurait été sympa un petit but comme ça. Allez, Paul. Oh, non. C'était qui? C'était Cole qui courait dans un gros malade. Non, il est en train de jouer avec pas. Les nerfs de l'arbitre. C'est pour qui? Plutôt déconseillé quand on aurait été sur la pelouse jusqu'à la fin. Parce qu'on rappelle qu'il y a déjà un carton. J'hésite. Milner. Tu hésites beaucoup en ce moment. Je suis très hésitant. La prochaine fois, je ferai jouer Pock. Pock. Johnson. Le magnifique match de Al-Weda. Karim Benzema. C'était. Et c'est la mi-temps sifflé à l'instant par monsieur l'arbitre sur ce score. C'est un magnifique match. Et c'est la tendance. Moi j'ai pris Al-Weda. On a vu des équipes assez proches de Al-Weda. Avec Hotman. Hotman, très juste. C'est l'homme chaud. Les joueurs anglais dans le rond central pour démarrer cette seconde période. Oui, vous l'aurez dans le bêtisier. Je n'ai pas voulu mettre la vidéo dans sa totalité. Ballon pour Steven Gerrard. Ouf, ouais, bien défendu, attention, c'est pas terminé. Dans le mur, vous étiez encastré. Karim Benzema. Karim. Karim. C'est vrai qu'après, c'est moi qui fais des choix un petit peu comme vous mettez tous les deux dans une vidéo. Mais là, c'est pas très habile. Remarque, si je mets Alawan again face à toi dans un match, Alawan again, c'est Lilian. Donc, oui, on a un type qui s'appelle Alawan again. Ce sera pas forcément du beau football, mais qu'est-ce que ce sera? Digne. Qu'est-ce que ce sera de la merde? Ça va être très épique. Et oh non, pas Lucas Digne quand même. En même temps, Paris Saint-Germain représente la perche est donnée. C'est le gardien qui l'arrête. Comme ma bite! L'équipe de France qui obtient un corner. De quoi, la perche? Oui. Ah, peut-être. Je te tends la perche. Je te tends la perche. Oh non, poche. Et je trouve Wayne Rooney qui ne trouve lui pas la balle. Mathieu Valbuena. On y croit, c'est un preux chevalier. C'est Sir Wayne Rooney. En chiffres, vous pouvez les lire. On le dit pas souvent, on dit toujours Wayne Rooney. C'est bien parti. Il a voulu trop bien faire. Et après, c'est Sir Griezmann. Il se dit pourquoi pas. Visiblement, la permutation des ailiers, c'est la nouvelle consigne pour les visiteurs. Oh non, encore du racisme. Mais non, je juste un jeu de mots sur son nom. C'est ce qu'on dit quand on est raciste. Mais non, c'est qui? Tu sais qui c'est qui insulte les gens racistes? Les racistes? Racistes. Oh. Va dire ça. Yohan Cabaye. Je te rappelle, il s'était suspendu pour avoir insulté le petit frère de Rio Ferdinand. Il va sûrement mettre son corps en position. Non, c'est sûr, à la base, faut pas comprendre. C'est pas un coup. Un irréquiste. C'est vrai, c'est sûr qu'il va nous faire grève pendant la. Ah oui, bon, c'était pas le seul, c'était beaucoup. Ah oui, mais voilà, c'était un petit peu le guide. Oh non! Mais non! Mais non, mais quel regard! Je suis exactement pareil que lui IRL. Oh non! Ce but aurait fait du bien! Mais putain, mais voilà, mais c'est ça, voilà. Faut juste faire un petit coup de rond et moi j'ai appuyé comme une grosse merde là. T'es une brute, toi t'es. Yohan Cabaye. Ça va, t'as ça, Damien qui veut mettre des bois à chaque personne. C'est ça, c'est bon. Oh oui, la bonne position, on l'a marqué! Il met des bois à n'importe quel endroit. Mais d'ailleurs, vous l'avez vu jouer dans une des vidéos. À Dan, c'est Dan Skate ou lui, je crois qu'il a un big profit. Non, il a eu pas mal de pseudos. En ce moment, il me semble que c'est track and shot. Non, mais vas-y, t'as quand même blessé le deuxième joueur. C'est pas grave. Tiens, plus, c'est pour moi. On va dire ça à Mignon. Ah, mais Pogba, il est trop jeune, tu vois, il était pas mais le ballon n'est pour personne. Enfin, le smash, c'est à l'heure, exactement. Oh,
Oh mince, mais dis pas que le jeu. Bien sûr, non, il est parti trop tôt. Voilà la vidéo. Oh, le ballon voilà, a été donné trop tard. Regarde, parce que dès que je te la passe, t'as l'autre qui se barre là. Et oui, mais c'est un bon placement. Là tu dis. C'est sûr, j'ai pas fait le changement. L'Albena. Pogba, d'ailleurs, il a la croix, il est. Passé par un défenseur Albena. Il est mal dans sa peau. Tu veux mettre un but contre ton camp ? Vas-y. Joli pour le gardien. Attends. C'est l'heure du changement. Ah ouais, hein. Effectif. Oh non, il est pas blessé. Je suis heureux. Bon, allez. Bon, ben, moi, je laisse jouer comme ça. On va faire entrer Olivier. Il sera bon dans la tête devant, il peut faire du bien. Ah non, attends, je vais mettre Artan en attaque. Tu sais que tu m'as niqué un changement quand même. Ah bon ? Et bah oui. Non, si t'as rien fait, c'est bon. Hein. Mais non, mais pour. Mamadou Sakho. Tu m'avais blessé Varane. Oui, ah oui. Allez, Rémi. Ah, donc il reste plus que deux. Ah, donc maintenant plus qu'un. Alors, j'ai Antoine, Giroud. Désolé. Plutôt écœurant. Oui, mais bon, on est entre nous quoi. Moi j'adore ça. T'aimes bien quand je le fais. Vraiment, ouais. J'adore, je suis friand. C'est dégueulasse. Je suis gourmand, mais. Le prochain arrêt de jeu. On dirait, attends, mec, dans une version, si je suis rentré un petit peu de. Allez, Johan, dans mes propres vidéos, merde. On est chez nous, pardi. On est chez nous. On joue de merci. Il a un double changement. Je crois qu'on est. On joue dans quel stade d'ailleurs ? En Angleterre, tu vois. Ouais, mais ça peut domicile, t'es très très. Le mec me le rappelle bien. Lampard maintenant. Oh non, il est passé, Mamad. Voilà, Mamad, c'est Lampard. Sauvetage. Ah, il a pas bien pris ce ballon. Bordel de merde, c'est une frappe glissée. Oh, non, pas le joueur, pas le joueur. Tu te mets poli maintenant. Polyvalent. Oh, il la récupère. Polyglotte. Oh, je ne sais pas, mais je suis ouvert à plusieurs types de relations. Sûrement quelque chose de bien. Il est en confiance. C'était dans la pub de la Nintendo DS. Êtes-vous polyglotte ? Allez Antoine. Giroud, je t'ai fait rentrer. Vas-y Tony. Il n'arrête pas les biens du véhicule. Un tacle très propre, une belle interception. Je sais pas, il avait du mal à courir. Benzema, ouais, c'était Benzema qui était en haut. Non, Benzema est sorti. Non, c'était Antoine Griezmann. Tu rigoles ou quoi, il a mis une feuille à toute ta défense. Mais non, c'est dans ta tête, ça plus dit ça parce que t'es en colère. Celui-là, c'est pas une feuille ça. Hein, tacle. Attention à la retombée. Mamad. L'intention est bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Ce match est du cafouillage. Enfin, c'est pas toi qui va le dire, vu que tu gagnes. Allez Antoine, allez. Champion mon frère. Non. Ouais, bien taclé, je sais pas non. Allez Yohan. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur de ballon. Bah, il y a de la qualité. Mais c'est pas grave, il s'est fait sentir. Oh là là, décachement du point de Joe Hart. Pourquoi je parle en allemand comme ça. Rémi. On joue. Vas-y, changement d'aile. C'est pas vrai. Sturridge est trop loin. Il est en jeu. Putain, Dany, quoi. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Il y avait un boulevard devant lui. Daniel, c'était trop beau. Moi, ça fait des biens. Voilà, c'est un pote dans la vraie vie. Je dis Danou, quoi. Mathieu Valbuena. Il faut pas l'appeler Danou, il n'aime pas quand même. Pogba. Je lui ai demandé, il aime Mathieu Debuchy. Il n'est pas friand. Allez, en perspective. Je sais pas ce qu'on a avec lui. Jack Wilshere. De là à dire qu'on est là. Avec Franck Lampard. Allez Mathieu. Action anglaise qui pourrait devenir dangereuse. Allez Lampard. Zap. Ouais, il saute pour éviter le tacle. Je rate mon centre. Et ballon bien capté par le gardien. T'as eu peur. À vous que t'as eu peur. C'était ouais. L'attention du match aujourd'hui. Ouais. Maintenant. Non. La balle pour Wendy. Ouais, d'habitude, c'est tu le mets 4-0 pour essayer d'égaliser. Je suis assez content. Antoine Griezmann. Et encore, je joue encore en équilibré. Dis ça, Olivier Giroud. Dis ça, Olivier Giroud. Non, si Marc est frappé, je suis content parce que moi, je l'aime bien. Non, il fallait pas rater ce geste, c'est bien joué. Eh non, les gloutons. Déjà, il y avait Leighton Baines qui était là. Alors pour Rooney. Oui, Leighton Baines. Mathieu Valbuena. Si, c'est le numéro 3 de mon équipe. Il faut jouer Luke Shaw. Ah, Luke Shaw, 78 en effectif sur FIFA. Incroyable, ils n'ont pas bien gradé quoi, tu vois. Ouais. C'est combien nous a joué, il reste à 75 de port côté United. Ouais, ils sont jeunes, ça va venir. Ça va venir. Oh, attends, Griezmann est jeune, il a 82. Oh non, je te. Allez, Mehdi, putain, fouillage. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. J'ai pas cette balle, les gars. Allez, Rémi. Oh non, Rémi, tu l'as eu. Allez, Rémi, tire. Oh, il repousse. Il est chaud, chaud. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu en fait, il s'est levé, okay, il a déclenché ce qu'on appelle de balle un petit poteau. Oh, quel cafouillage. 90e minute, je dégage. Ah non, 3 minutes de temps additionnel. Les gars, tout se joue. Lampard, il peut plus le pont, il va même plus vers la balle. Allez, Franck. Giroud. Franchement, moi, je l'adore. Avec Beckham, c'était vraiment mes deux joueurs. Ah ouais. Ouais, c'est peut-être une des dernières occasions pour eux contenter l'égaliser. Si ce but avait été accepté contre le Portugal, là, l'espèce de... Lampard qui avait mis une lamparde magnifique, justement, il s'est rendu bien seulement. Tu sais, c'est la transversale rentrante. Ouais. Et voilà,
le but n'a pas été compté parce que le ballon est ressorti. Oh non, je t'ai eu. Mais putain, un but sur Rose. Oui, oui, dernière minute, un petit but sur corner. Allez Mathieu, tu es tiré. Comme un corner. Allez. Oh non, Mamad. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Mini dégagement de la main. On va pas tenter de faire gratter le sifflet. Si, dommage. Mais bravo. C'est terminé. Bravo, magnifique. Serrage de Paluch IRL comme vous pouvez voir. Qui doit s'être satisfait de cette victoire. La défaite sur FIFA, c'est sûr. Voilà. Rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu pour tirer de. Il n'y a que deux, c'est pas grave. C'est pas si mal. D'habitude, c'est quatre. On fait confiance aux jeunes, regarde. Paul Pogba et Griezmann. À bientôt. J'avais marqué avec Irouné, moi, il me semble. Ouais. En gros furet d'ailleurs, un but vraiment dégueulasse. Et ouais, bon. Regarde. Oh, il est trop beau! Eh ben écoute, je te remercie de m'avoir mis ma tôle. Avec plaisir, bah, si ça t'a plu, tant mieux, ça m'a fait plaisir de te voir. Je reviendrai. Ok, bon, mais écoutez, mais merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à tout le monde de m'assister mentalement, parce que là, j'en ai besoin. Et voilà. Je suis là, moi. Ouais, merci. Et n'oubliez pas de supporter l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà. Vive l'Angleterre! C'est important! Ah putain, t'es raté, voilà. Ouais. Putain, je suis une merde. Enfin bref. Bon, ben voilà. Qui c'est le prochain? Ça pourrait être vous. À la prochaine pour une autre de mes vidéos. A ciao Florentine, à ciao tout le monde. Ciao.